118 018 vous présente votre programme. Pour vos renseignements, vous voulez des pros ? 118 018. Cardinal, regarde, le voilà. Allez, on y va. 12 ans, tu te rends compte, 12 ans de tôle. Ne me parle pas de justice, tiens, j'en ai les lèvres gercées, moi. Oh, petit. Ah, mon petit. Je sais pas quoi te dire. Parle pas. Surtout, dis rien. Tu vois, j'ai pris la voiture et je l'ai ressortie exprès pour toi. Hein. Je t'amène où tu veux, hein. Ramène-moi à la veille. Mais tu veux pas boire quelque chose avant? Manger un petit bout, je sais pas, moi, hein. Ramène-moi à la veille. Ah, je te présente Cardinal, le roi des enjambeurs. Alors, c'est toi le fameux Cardinal, hein? Allez. Mets-le dans la niche, là, derrière. Tu sais qu'il est infernal, celui-là, hein. Si c'était remboursé par la sécurité sociale, il y a longtemps que je serais milliardaire, hein. Tu fumes, à présent? Tu as pas perdu le cancer? Tu fumes et t'as perdu l'accent. À part ça, t'as pas changé. J'ai l'impression que la dernière fois que je t'ai vu, c'était hier. Eh ben, ça a été une sacrée longue journée, alors. Ma mère, tu l'as prévenue? Non, pas encore. Tu la connais, la noire, hein? Une fausse joie, elle aurait pas supporté. Comment elle va, maman? Ma foi. Elle ira tout à fait bien quand elle te sera de retour. Je suis content que tu sois venu, tu sais. Ouais, je sais, petit, va. Je sais. C'est vrai. Autrement, parle-moi un peu du village. Ça a changé? Oh, un peu, pas trop. Il n'y a plus que des vieux, tu sais. Rosalie est morte il y a 2 ans, après son mari. Le curé aussi, il est mort. Et on s'engueulait bien, ça. Et je l'aimais bien, ce vieux couillon. Et à part eux, personne n'est parti? Non, tous ceux qui restent, ben, ils ont pris racine, ils partiront plus. Hein. Tant mieux, ce sera plus simple. Plus simple quoi? Plus simple quoi?
arrête-toi après le virage. Là, maintenant, tu qu'à caler, je continue. Arrête-toi. Tu vas te faire du mal. Mais merde, arrête-toi, je te dis. Allez, reste pas là, petit. Allez, ça sert à rien. Allez, viens. Amenez-moi le colis. Pas beau à voir, hein? Tu te connaissais? Je fréquente pas les touristes, moi. Sauf pour les massacrer. Et ça? Ça, ça te dit rien non plus, bien sûr. Mais ça, c'est mon fusil, pardi. Et alors, ça prouve quoi? Je vous le dis, hein. Si vous devez arrêter tous les chasseurs, vous êtes pas rendu, hein. T'as eu une très bonne idée de prendre la crosse en rouge. Je vous le fais pas dire. Bon, c'est pas que je m'ennuie avec vous, mais ma mère va s'inquiéter. Je vais rentrer. Eh ben, reste là. On a trouvé cet éclat de bois, là, par terre, à 5 mètres de la victime. Tu vois? Mais vous déconnez ou quoi? Mon fusil, je m'en suis pas servi depuis je sais pas quand. Il a pas bougé de chez moi. Oui, ben, tu raconteras ça au juge. Et puis t'en profiteras pour lui dire où t'as planqué le portefeuille de ce pauvre type. Mais c'est pas possible! Vous n'allez pas m'accuser quand même! Je n'ai rien fait! C'est pas moi! 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 Mais bien sûr que c'était pas toi. Allez, viens, on rentre, va. Il faut plus remettre tout ça. Mais faut bien que ce soit quelqu'un, merde! Quelqu'un qui me connaissait, quelqu'un qui voulait ma peau. Quelqu'un de ma la veille. Dis-moi, toi, t'as bien une idée, aide-moi. Mais je regrette, petit. C'est vrai, j'ai cherché pendant des mois. Pendant des mois, j'ai épluché leur vie à tous. J'ai rien trouvé, parole. Personne. C'est bien pour ça que je dois me méfier de tout le monde. Et je le trouverai, Coco. Je suis revenu pour ça. Et je le tuerai. La noire avait retrouvé le petit, son petit. Moi, elle ne m'a même pas regardé. De toute façon, elle ne m'a jamais regardé, alors. Et pourtant, qu'est-ce que j'étais amoureux d'elle. C'était dans les années 40, pendant la guerre. La noire n'était pas encore la noire, elle s'appelait Maria. Elle avait quoi? 18 ans. Mais c'était déjà une vraie sauvage, hein. Et pour l'approcher, ma cache. Les hommes et le diable, pour elle, ça faisait pas de... Des fois, je lui faisais des petits cadeaux comme ça, en cachette. Au moins, j'étais sûr qu'elle me les jetterait pas à la tête.
pas cette bague, c'était rien. Une babiole que j'avais eue pour 4 sous au ballon. J'avais le cœur plus rempli que le porte-monnaie. Il faut que tu dormes, que tu te reposes. Je peux pas. Leur barreau, je les ai encore là, dans ma tête. Je suis là, mon petit, je suis là. Je suis si heureuse. C'est le plus beau jour de ma vie. Quand ils t'ont emmené, j'ai cru que je deviendrais folle. C'est drôle, hein, tout est resté comme avant. T'as tout laissé en place. Oui. Tes trésors. Tu te souviens de cette pierre? Tu disais qu'elle était tombée de la lune. C'est vrai, je l'ai vue. Tu disais aussi que le vent te racontait des histoires. L'homme est comme un feuillage. Il faut que le vent passe pour que ça chante. C'est Giono qui a écrit ça. Ça sec. C'est Pivolo. J'avais presque oublié celui-là. Assassin! Il vit toujours dans son bourbi. C'est drôle, hein? Depuis loin que je me souvienne, j'ai jamais vu habiter la maison. Tu le connais? Tu sais comment il est? Je me suis souvent demandé. Quand vous êtes mariés, il était comment? Savoir. Est-ce que une fois, une minute, une seconde, t'as pensé que ça pouvait être moi? Jamais. Je te le jure, jamais. Si c'était lui, tu n'y as jamais pensé à ça. Ne dis pas ça, c'est ton père. Mon père, mon brave père. Je vais être en retard à la mine. Je veux plus que tu gagnes à la mine. Je veux pas que tu te crèves au temps à venir. Et les sous? D'où tu veux que je les sorte, les sous? Mais je vais les gagner, moi, les sous, pour nous deux. Si c'est important pour moi. Accompagne-moi au car. Je veux que tout le monde te voie. Victorin! Ouais! Et je suis après le tracteur de l'Eb. Oui, bah occupe-toi plutôt de la voiture de Monsieur Ganfan. Il attend après. Bonjour, messieurs. Merci, monsieur le maire. Madame va bien? Tiens, pourquoi donne-moi un blanc d'ornac? Oh, toi, si t'as réussi à échapper aussitôt à ta dame, je
Tu dois avoir une sacrée bonne raison, hein? Alors t'occupe, hein, c'est encore moi qui porte la culotte. Velotte! Et revelotte, c'est toi qui paye. Oh, coco, tu entends ce phare? Un petit noir, un petit jaune? Ah, ça dépend quelle heure il se fait. Trop tard pour le café! Dommage, deux pastagas, coco, hein? Vous avez raison, on va passer 8 heures, le café, ça énerve, hein? Oh, qu'est-ce que je vous sers? Une mominette ou un perroquet? Oh! Oh, ben, voilà, en revenant! Tu as vu, coco? C'est ça que vous m'encombrez tous dès l'aurore, hein? Pour être aux premières loges, eh bien, vous me décevez bien, hein? Mais vous pouvez pas le laisser tranquille, ce petit, non? Oh, mais ne le prends pas comme ça! On l'aime bien, Noël, nous aussi. Il a fait une bêtise, bon, ben d'accord. Enfin, il a fait son temps, hein. Il a payé sa dette à la société, hein. Eh ben, vas-y, traite-le d'assassin tant que tu y es. Et tu remets pas les pieds ici, tout merde que tu sois. Voilà. Ça va, hein. Il a été jugé, et condamné même. Tu crois, toi, que les juges y condamnent comme ça, à tort et à travers? Il n'y a pas de fumée sans feu, hein. Mes filles. Et les chardes rouges, elles venaient bien de son fusil, quand même. Moi, je discute pas avec tes drogués, monsieur. Parce que oui, des gens qui s'enfilent du pastis à 8 heures du matin, pour moi, c'est des drogués. T'exagères. Les drogués, ont pas une tête normale. Et moi, je les ai vus à la télé. Et toi, dis, oh, tu te les mets ta tête. Va garder les chèvres, tranche d'ail. Et puis surtout, t'occupe pas des choses qui te regardent pas, hein. En tout cas, ils ont l'air heureux. Moi, je trouve. Vous voulez ma photo? Vous voulez peut-être un autographe, non? Calme-toi, ils sont curieux, c'est tout. Tu sais, Coco, il m'a beaucoup aidé. Il est brave, celui-là. Qu'est-ce que tu vas faire après ça? Vivre. Bienvenue à Malaveille, petit. On est rudement content de te revoir, Noël. Tu nous as manqué. Merci, c'est gentil. Et tu sais, c'est sincère, hein? Ah, pourquoi? D'habitude, ça l'est pas. Allez, allez. Tournée générale. Ça te fait quel âge à présent? 30 ans? Non, 31. Oh, monstre, tu les fais pas, hein? C'est parce que tu vois pas l'intérieur. Et pour le travail, là, tu... Tu n'as rien à me dire? Non, pas encore. Ben, il faudrait peut-être te trouver quelque chose, non? D'accord, monsieur le maire, quand vous voulez. Oh, moi, je t'aurais pris avec plaisir au garage. Ça va, tu... Seulement, je ne suis pas mécano. Ben voilà, tu n'es pas mécano. C'est bête, hein? Merci quand même. Hé, hey, Noël, en prison, tu pouvais jouer au flipper? Au feu! Non, pas le feu, pas le feu! Pour Fada, l'Amérique, c'est de suite après le village à droite. Le couillon! Je l'aime pas, le feu! Je l'aime pas! À ta santé. À ton retour. À la tienne, petit. À vous tous. Je bois aussi à la santé de celui que je connais pas encore. Je suis revenu pour lui. Pour lui présenter la facture. Je le louperai pas.
fous là, toi? Je voulais te voir, te parler, te remercier. En 12 ans, pas une lettre, pas un signe de vie, rien. Allez, dégage! C'est tout ce que t'as à me dire? Fous le camp! Assassin! Pauvre Locke! Salut, Noël. Tu me reconnais? Très bien. Bonjour, madame. Bon. Laisse tomber le madame, appelle-moi GMC comme tout le monde. Je t'emmène? Non, j'ai besoin de courir. Oui, je comprends ça. Ça a été dur. La tôle, je sais ce que c'est. J'ai passé un an 52 chez les Viettes. Ça se compare pas, ça. Vous, c'était la guerre. Oui. J'ai souvent pensé à toi, tu sais. J'attendais que tu reviennes, j'ai pas mal de travaux en projet au MAS. Désolé de vous avoir fait attendre. Bon, bah passe me voir demain matin, on en discutera. Ok? D'accord. Tiens, c'est pour toi. Madame, elle est servie. Maman, j'ai une grande nouvelle. J'ai trouvé du travail. Où ça? Chez les Torrens? Le maire? Tu rigoles, non. Serge? Ben, je sais pas. Ben, Serge. Mais je sais pas. GMC. Je n'aime pas cette femme. Mais pourquoi? C'est une étrangère. Écoute, ça fait 20 ans qu'elle habite à Malaveille. Elle veut faire des travaux chez elle. Je vois vraiment pas pourquoi. Je n'irai pas. C'est un endroit maudit, tu entends? Maudit. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Maudit. Enfin, explique-toi, ça veut dire quoi, ça? Ne me pose jamais de questions là-dessus. Tu m'entends? Jamais. Pardon. Tu dois me prendre pour une vieille folle. Et alors, je les adore, les vieilles folles. Je les adore. Je les aime, les vieilles folles. Non, n'arrêterai pas. Je les aime. Bonjour, Victorin. Ciao, Noël.
Écoute ça, vieil obsédé. Des chiens et des chiennes représentant près de 40 races différentes défileront pour la plus grande joie des amis des animaux. Ça t'intéresse pas, ça? Des chiens et des chiennes. Hein? Ça te dit? Tu fais ce que t'es, Coco. Pousse au crime. Où tu vas, toi, comme ça, de si bonne heure? Je monte au masque de l'aigle morte. Mais je veux bien prendre un petit café, si tu veux. À l'aigle morte chez GMC? Ben oui, elle m'a trouvé du boulot. Oh, mais c'est formidable, ça dit. Pourquoi on l'appelle GMC? Ah, c'est une idée assez un jour à cause des camions. Quels camions? Ben, les camions de la guerre. Les Américains, les GMC. Tu la connais bien, elle? Oh, moi, les militaires, j'ai déjà du mal, hein. Alors, une femme qui a passé toute sa vie dans la Légion, et puis elle n'est pas bavarde, hein. Descend guerre de son masse, là-haut. Maman dit qu'il est maudit, ce masse. C'est l'époque qui était maudite. Heureusement, tu n'as pas connu ça, toi. À août 44, t'étais pas né. Paris. Paris outragé. Paris brisé. Paris martyrisé. Mais Paris libéré. Libéré par lui-même. Libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France éternelle. Depuis que les buveurs de bière s'étaient évanouis dans la nature, on n'avait jamais eu autant de résistants. Ah, il suffisait de se coller un brassard et de crier « Vive de Gaulle » pour devenir un héros. Y a quelqu'un? Qu'est-ce que vous voulez? Merci pour l'accueil. Au cas où vous ne le sauriez pas, vous êtes libéré. Mais il n'y a pas 8 jours à la Bastille du Virac, ils ont cru aussi qu'ils étaient libérés. Seulement les frisés, ils sont repassés. Une vraie boucherie, alors faut nous comprendre, hein. Y a des collabos dans votre trou? Ben non, pourquoi? On est venu faire le ménage en gros, mon pote. On liquide, on est pur, hein, les gars? Allez, plus vite! Mais c'est de là où il va! Ouais, t'occupe, machin. Dis-moi voir un peu, là. Il y a pas 2-3 salopes qui auraient couché avec les poches dans ton trou pourri, hein? Et vous qui vous êtes, d'abord? Les maquisards livrés, moi, je les connais parce que c'est moi qui les ravitaillais, hein? Ils ont rejoint l'armée de l'âtre depuis une semaine. Remarquez, en roulant vite, vous pourriez peut-être les rattraper, hein? Ta gueule. J'ai pas d'ordre à recevoir d'un cutéreux comme toi. Eh ben, le cutéreux, il te dit merde! Eh bien, c'est ça, vous gênez pas, vous autres! Réquisition! Et t'as de la chance que je te boucle pas pour marcher noir. Allez, on y va, on décroche! Oh, oh! Hey, attendez-moi! Qu'est-ce que tu veux, toi? Attendez, je pars avec vous! Monte dans le camion, écoute-moi! Tivolo, où tu vas? Je pars à la guerre, moi! Zé, tu restes ici! Je veux aller avec les Américains! Eh, hey, c'est pas des Américains, c'est des rives du tout! Des jobards qui jouent au fifi, là. Zé, Zé, reviens. Zé. Je me doutais qu'avec ces zigotos dans les parages, ça finirait par tourner vinaigre. Mais je m'étais pas trompé. La saloperie qu'ils ont faite, je l'ai découverte le lendemain matin. J'étais dans le bar en train de faire le ménage quand le petit Zé a déboulé comme une furie, là. Tu le connais, celui-là, quand il est excité, hein? Coco, Coco. Mademoiselle Dégue morte, elle est tout abîmée, elle va mourir. Viens vite, viens! La demoiselle de l'aigle morte? Mademoiselle Soleil? La demoiselle Soleil. C'était son nom, Catherine Soleil. Elle descendait jamais au village. C'était une réfugiée, une fille de la ville. Elle venait du nord. Ses parents avaient dû se dire qu'à Malaveille, elle serait plus en sécurité. Hein, pauvre de... Mademoiselle. Mademoiselle Catherine. Non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je vous ferai pas de mal. Il avait marqué comme on marque le bétail. Les barbares. Ils sont partis. Mais il faut pas rester là. On ne sait jamais. Je vais vous aider. Attendez, je vais vous aider. Bon, bon, d'accord. Mais venez. Venez vite, Catherine. Je vous en supplie. Venez.
Non, laissez ça. Je viendrai vous le rechercher. Je vous le promets. Je viendrai chercher vos affaires. Personne ne vient jamais ici. Vous serez tranquille. Allez, il ne faut plus avoir peur. Maintenant, il faut vous reposer. Je vais bien m'occuper de vous. Vous voulez manger quelque chose? Vous avez soif? Tenez. Ressemblait à un petit oiseau blessé. Je ne l'ai pas quittée pendant 2 jours. Elle commençait à aller mieux, alors je suis allé me reposer. Et quand je suis revenu le 3e jour, le petit oiseau avait disparu. Elle n'est jamais revenue. Jamais. Et les types, on ne les a pas retrouvés. Penses-tu? Aujourd'hui, ça doit être de bons pères de famille et ça m'étonnerait qu'ils aient des problèmes de sommeil. Hein. Les salauds. J'en connais un, moi, qui doit commencer à en avoir des problèmes de sommeil. Dis, hey, ça tourne, hein? Dépêche-toi. Parce qu'avec les militaires, l'heure, c'est l'heure, hein? J'ai tout mon temps, va. Six mois, 6 ans. J'ai appris à être patient. Une grande pièce, très sobre, toute nue. Ça mettra en valeur pour mon fourbi. Mm-hmm. Ces vieux trucs que j'ai rapportés d'Indochine, d'Afrique, de partout. Mm. C'est du solide, hein? Le crépi est foutu, hein? On le refait? Non, non. Non, le crépi, tu me le vires. Je veux les pierres apparentes. Et puis alors, il va falloir terrasser. Faut descendre le niveau du sol d'1m20 au moins. Ah oui, ça fait du boulot. Ça me fait pas peur, hein. Au contraire. Ce sera mon musée du souvenir. J'ai fait faire des plans. Tu veux les voir? Oui. Bon, allons-y. Quand j'ai débarqué dans ce trou, je savais pas si j'allais rester, tu sais. Et puis, les années passent, on s'installe dans la solitude. On sait qu'on mourra là. Pourquoi vous avez choisi Malaveille? Vous connaissiez? Oh non. C'est le hasard le plus total. Tu sais, c'est lui qui fait si mal les choses. Je crois pas au hasard. De toute façon, je crois pas à grand-chose. Bon, je commence demain à 8h, ça va? Bien sûr. Attends, je vais préparer... Tiens, t'achèteras les matériaux, les outils, enfin tout ce qu'il faut. Le reste, c'est pour toi. Ça fait beaucoup. On ne discute pas. Pourquoi vous faites tout ça pour moi? Je me le demande. C'est vrai, je suis rien pour vous. Va donc savoir. Bon, à demain. Je peux vous poser une question? Pourquoi vous êtes parti à l'armée? Oh, tu vas être déçu. À cause d'une connerie de chagrin d'amour. Banane, non? Allez, à demain. Ah!
Ah putain, ça tient, hein. Merci pour X1, papy. Noël. Tiens. Merci. Ça va? Une sacrée gueule, hein. Ça vous plaît, mon capitaine? Non, non, mon lieutenant, ça suffira. Oh, c'est superbe. Bon, je t'invite à déjeuner. Allez, viens. Je suis pas très présentable, hein. Bon, c'est pas bien, toi. J'aime bien déjeuner, moi. J'aime bien une petite sieste, maintenant. Eh ben, vas-y, qu'est-ce qui t'en empêche? Moi, je vais bouquiner tranquille au soleil. Je te laisse ma chambre. Non, non, je rigolais. L'enduit, lui, il attend pas. Vous lisez de Modiano? Oui. J'aime beaucoup. Moi aussi. Mais la ronde de nuit, c'était pas mal non plus. C'est surtout son style qui me touche. Il y a dans ses bouquins des odeurs de feuilles mortes. Eh ben... Pourquoi vous moquez de moi? Mais je me moque pas. Je te découvre. Ah bon? Vous pensiez que je savais pas lire? Oh, sois pas bête. Non, mais c'est vrai. Je pensais pas que t'aimais les bouquins. Mais vous savez, j'ai toujours lu, hein, même quand j'étais môme. Tire-toi. Sors de là! Pitié, merde! Non! Attention, il crève! C'est fait! Non! Ça va, y a pas de mal? Rien de cassé? Non. Laisse tomber. Ah non! Ce serait trop facile, ça. Non! Thank you.
Pourquoi tu me hais? Dis, pourquoi? Ça vous arrange que Pivolo soit un ivrogne. Comme ça, ça évite de se poser des questions. Ça veut dire quoi, ça? Bonheur! Tu m'as pris ma femme. Voleur. Mademoiselle. Hé, hey, mademoiselle. Aïe, pas peur. Je suis perdu. Je cherche une chapelle qui s'appelle la Sainte Réparade. Vous connaissez? Mais, mademoiselle. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Ah, c'est pas un mouton. Excuse-moi, c'est pas... Il faut le parler, mouton. Oh, arrête. Je ne suis pas un bon berger, mademoiselle. Excusez-moi. Je vous y mène à la chapelle, si vous voulez. Merci. C'est loin? Non, à 10 minutes à peu près. C'est par là-bas. Je cherche une chapelle et j'ai trouvé une vierge. Je vous reverrai, dites. Vous reviendrez. Il ne faut pas, Maria. Tu ne sais même pas qui je suis. Je sais que je vous aime. Ça me suffit. Tu es folle. L'amour, c'est pas ça. Si. Si. Les petites chats sauvages, ça ne pleure pas.
Je l'ai attendu pendant des semaines et des semaines. Je ne vivais plus que pour lui. J'étais sûre qu'il me reviendrait, puisque je l'aimais. De riche, cette Catherine Soleil. Elle qui avait tout, elle me prenait le seul homme que j'aimais. Elle me volait mon rêve. Maman? Maman, tu rêves? Oh, c'est toi, mon petit. Dis-moi que tu me quitteras jamais. Dis-le-moi. Tu vas le faire cuire, hein? On va pas le bouffer cru. Ah non, Noël, je t'aime bien, mais non, éteins le feu. Et ça devient d'où, cette peur, hein? Eh bien, je sais pas. Allez, raconte-moi. Je te dis que je sais pas. Tu vas me le dire? Non, Noël, non, ne fais pas ça. Non, je t'en prie, ne fais pas ça, je vais tout te dire et je te le jure. Allez, alors. Oui, mais d'abord, éteins le feu, hein? Parce que sinon, je pourrais pas. Allez, raconte. Eh bien, c'est à cause de l'Allemand. Quel Allemand? Eh bien, le Bosch de la guerre. Ah, ta mère, elle avait raison. Elle voulait pas que j'aille avec eux. Et moi, j'étais tout minot à l'époque, et puis... En plus, je croyais que c'était des Américains. Pour la voiture. D'où tu viens? T'es pas du coin? Mais ça te fait mal au cul de répondre quand le chef te cause? Hein? Tes papiers. Je te demande tes papiers. Je parle pas, t'as pas de papiers, tu me prends pour un con, quoi. Allez, tu sors, allez vite! Et tu lèves les bras! Hé, le pecno, là! Comment tu t'appelles? Je m'appelle Pivolo. Ah, bah fouille-le. Hé, les gars, c'est un frisé. C'est un mec de la Gestapo, ça. Qu'est-ce qu'il foutrait là, sinon? Salope. Laisse-le-moi, laisse-le-moi. Je vais griller comme un porc, moi, tu vas voir. Allez, vas-y. Rigole. Allez. Plus envie? Was das Feuer dich verzehre. Weil du die Wahrheit Gottes verraten hast. Non! Allez, lève-toi. Lève-toi. Dépêche-toi. Tu peux partir. Verstehen, Französisch. Raus. Tiens. Auf Wiedersehen. Allez, raus. Raus. Allez, raus. Thank you.
Comment ça se fait qu'elle ait jamais parlé de ça, maman? Ah, tu sais, petit, il y a des souvenirs. Il vaut mieux pas trop s'en souvenir, hein. Et puis c'est si vieux, tout ça. Et dis-moi, t'as pas perdu la main, tu sais? Ça te plaît? Oui. Il est pas mal, ton filleul, hein? Il se débrouille. Oui, il est pas mal. Et elle est pas là, la patronne? Non, elle est partie faire sa virée à cheval. Hum. Je te laisse un moment, je me change et puis tu me ramènes à la maison. Ben ouais, d'accord. C'est beau, ça. Ouais, ça, non? Je savais pas que vous vous intéressiez à la peinture. Non, c'est beaucoup dire, ça, madame. Non, c'est Noël qui a insisté pour que je vienne. Il est pas peu fier de son travail, vous savez. Ah, il a raison. C'est du beau travail. Oui. Il est bien, votre filleul. Pittoresque, mais sans aucune valeur. Je l'ai trouvé pour une bouchée de pain dans une brocante à Avignon. Avignon. Oui. C'est le manoir des Glycines, ça. Ah bon? Les Allemands l'avaient réquisitionné pendant la guerre. Ah, je suis prêt. Ben, on y va. Au revoir, madame. Au revoir. Il est tard. Faut que je rentre. Nanou va s'inquiéter. Alors on arrête. Regarde. Ça te plaît? Mais je vois rien d'ici. Monte. Allez, monte. Oui, j'arrive. Catherine! Regarde! Catherine! Où es-tu? Catherine! Oh, fais-moi l'amour. Fais-moi l'amour, j'ai envie. Mais je croyais que tu étais en retard. Ça ne fait rien. Fais-moi l'amour. Comme si c'était la première fois. Éteins l'anneau. Elle va me maudire. Non, pas toi. Elle déteste les cloches. C'est vrai. Mais pas toi, pas toi. Oh, c'est beau. Tiens, c'était peut-être là ou... Ou même là ou... Ou là. De là quoi? Ma maison. La maison? Ouais. Quelle maison? Tu sais, ce village était un repère oui? De camisards. Il a été brûlé, pillé par des dragons de Louis XIV. Seul un homme en a réchappé. Il a fui le royaume. Ouais. Il s'est établi en Allemagne, où les protestantes pouvaient pratiquer librement. Mais c'est... tu m'as l'air drôlement bien renseigné. Oui. Cet homme, il a fondé une famille à Cologne, la mienne. Mais c'est pas croyable. Mais alors tu es français? Oui, un peu. Un français qui a le grade de lieutenant, de leutnant des navires Wehrmacht. Qui se balade, qui se promène. Qui se balade pour récupérer des œuvres d'art et les envoie chez Göring, tu sais, le Feldmarschall Göring. C'est fou, l'ironie de l'histoire. Ouais. Catherine, les Américains ont débarqué à Toulon.
je reçu l'ordre de rejoindre mon détachement. Mais t'es blessé, ils peuvent pas te prendre. Ils prennent tout le monde. Même des gosses à 15 ans. Je n'irai pas. Je déserte. Mon amour, mais tu es fou. Mais qu'est-ce qui va t'arriver? Rien, mais toi, tu rentres à Malavé, tout de suite. Je veux pas, je veux rester avec toi. Mais c'est trop dangereux pour toi. Si on nous voit ensemble, je te rejoindrai quand tout se sera un peu calmé. Mais c'est de la folie, ils vont te tuer, j'ai peur. Ça, c'est pour toi. Pour que tu penses toujours à moi. Meine kleine Sonne. Hey, vas-y, mollo, mon collègue, on n'est pas au bagne ici. Quand je bosse, je bosse. Parce que nous, on est quoi, des glandeurs? T'es un amoureux du patron ou quoi? Dis donc, je t'emmerde, hein. Mais dis donc, fais le tolard. Écrase un peu, hein. On n'est pas au Beaumet ici. Fais-moi plaisir, casse-toi. Et en plus, il donne un désordre. Je vais te dire un truc, mon collègue. C'est toi qui vas te casser. Parce qu'on a les mêmes propres, nous. Ta gueule. Hé, hé, on n'a jamais tué personne, nous. Tu veux que je te la ferme, ta gueule? Tu veux que je te l'éclate? Non. Arrête de t'escagasser la tête. Mais j'ai failli tuer, moi, ce mec. Mais il a rien, ton type. Il a rien. C'est le principal, non? C'est comme une boule de haine là, qui me ronge les tripes. Il faut que je m'en débarrasse. Je l'aurai, cette ordure. Eh, tu ferais mieux d'oublier, va. Mais je peux pas, merde! Je retournerai chaque parcelle de ce pays jusqu'à ce que je le retrouve. Mais pense un peu à toi. Tu as ta vie à faire, alors va en ville, trouve-toi une jolie fille. Et tu verras, ça ira mieux. Mais t'en connais beaucoup, toi, des jolies filles qui voudraient d'un assassin? Mais ça fait 12 ans, petit, 12 ans. Alors arrête de te rassasser ça dans la tête. Ici, les gens, ils le savent que t'es innocent. Les gens d'ici, c'est des faux culs, oui. Tu crois que je vois pas clair dans leur regard à tous? Il y a plus de Noël roux, il y a qu'un fait divers. Mais tu te remues toi-même le couteau dans la plaie. À force, ça s'infecte. Le silence, hein, surtout pas de vagues. Même toi, tu doutes. Tu veux pas me l'avouer parce que t'as pitié, mais t'as pitié, j'en ai rien à foutre. Tu peux te la garder. Ne me parle jamais comme ça, petit. Jamais, hein. Tu entends? Jamais. Excuse-moi. En cellule, tu vois, je me disais que le retour à Malaveille, j'y verrais plus clair. Mais j'y suis, à Malaveille, là. Je comprends rien, plus rien. Allez, va. Allez, tu te donnes. Regarde-moi. Entre masse, la noire va s'élanguir. Oh, dis donc. Dimanche, on avait prévu un pique-nique avec maman. Tu viendras? Au Roche-Blanche, je parie, hein? Comment tu sais ça? Ah, ben, tu sais, des fois, mon petit doigt, il me parle, hein? Ah, mais c'est vrai. Il paraît que t'étais amoureux de maman quand t'étais plus jeune. Allez, arrête de déconner, va. Sûr, hein? Tu viendras? Ça me fera plaisir. Gardénal! Oh, Gardénal! Ah! Dis-moi dimanche, hein? Oui, tu me dis. Vraiment, regarde! Quand je te vois commencer à tout ensoleiller, ça me fait tout chose. C'est vrai, tu as l'amour dans les yeux. Il est si beau. Il me fait revivre. Si tu l'avais voulu, Maria, le petit, il aurait pu être notre fils à tous les deux.
Tu te le dis des fois? Excuse-moi, c'est le rosé qui me monte à la tête. Les hommes d'ici me faisaient peur. Oui. Et c'est pour ça que tu as épousé le plus séduisant du village. Je l'ai fait par défi. Quel défi? Pour empêcher les autres de me tourner autour. J'ai peine à te croire. Tu veux pas me le dire, la vraie raison? Le passé, le passé. Tu as raison, je parle trop. Et parler, c'est tout embrouillé. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, lui? Mais qu'est-ce que tu fous, Noël? Dis, petit, à quoi tu joues, là? Et tu vois, je procède à la reconstitution. Pousse-toi. Oui, si j'ai fait quelqu'un, faut savoir comment. Mais arrête alors, t'as tué personne. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Il est peut-être là, le mort. Je ne pense plus à tout ça, là. Tu vas te gâcher la journée, allez. Arrête, tu fais chier avec tes conseils. Barre-toi, allez, barre-toi! Madame, j'aime assez. C'est Coco. Le petit soleil. Madame, j'aime assez. C'est moi, Coco. Attendez, je vais vous aider. Ça va aller? Oui. Essayez, là. Il n'y a rien de cassé, c'est sûr. Ah non, non. Non, ça va. Bazooka, il est où? Il est là-bas. Bazooka. Se relever. Il a les antérieurs fracturés. Il a mal. Reste près de lui, c'est peut-être pas si grave. Je vais aller chercher le vétérinaire. Non. C'est pas la peine. Plus rien pour lui. Je veux pas qu'il souffre. JMC. Faut pas rester là.
On se croit blindé. On se croit très fort. Et puis, il suffit de... qu'il y ait tout craque. Je me sens vide. Où voulez-vous que je vous laisse? Non, reste. Nous sommes deux solitaires qui avons besoin de compagnie. Il y a une chose que j'aime bien chez vous. Ah oui? Et quoi donc? La qualité du silence. Tu es là dans cette maison où tout a commencé. Tu as confiance en moi, tu me prends pour une amie. Si je pouvais t'expliquer. Qu'est-ce que vous voulez? C'est elle! C'est elle, la salope! C'est de sa faute à elle! C'est elle qui a couché avec l'Allemand! Viens, viens, reste pas là! Alors, la Poupias, c'est toi qui aimes les cheveux? Non! 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 Ta mère a fait basculer ma vie dans l'horreur. J'ai jamais compris pourquoi. Le mal pour le mal. Noël, écoute-moi. Il faut que je te parle. Vous savez, j'ai tout compris. Hein. Coco m'a tout raconté. Ah bon? Un cheval, ça s'emballe pas comme ça, tout seul. Si c'était pas mon père, vous auriez porté plainte. Oui, sans doute. Merci d'avoir voulu me le cacher, mais ça change rien. Je suis le fils d'un ivrogne doublé d'un salaud. C'est lourd à porter, hein, comme hérédité. Dis pas ça, Noël. T'es pas responsable. Je me demande. J'en arrive à douter des fois. Je me dis que. Après tout, c'est peut-être moi qui l'ai tué, le touriste. Non! C'est pas toi. Bah, un accès de démence. Puis l'amnésie totale. Ça arrive! Oui, bah. Les erreurs judiciaires aussi, ça arrive. C'est pas en tôle qu'ils auraient dû me mettre. C'est à l'asile! Chez les fous! Qu'est-ce qui arrive? Il y a du nouveau? Oui. T'as trouvé quelque chose? Oui. C'est un malin. Ça serait venu à l'idée de personne de le soupçonner. Qui c'est, parle? Toi, parrain. Ne plaisante pas que ça, hein? Ça, c'est trop grave pour rigoler, hein? J'ai l'air de rigoler? Tu m'as bien eu avec les simagrées. L'avocat que t'as payé. Les petits colis, trois fois par an. Ah, tu voulais m'endormir avec ta tendresse. Ça a failli marcher, mais t'en as trop fait. Arrête, malheureux. Tu vois pas qu'on nous regarde? Oui, ben tant mieux.
Tout le monde va en profiter comme ça. Moi, je vais vous dire comment ça s'est passé. Je me souviens comme si c'était hier. La veille du crime, le touriste, il est venu, là. Je l'ai vu, j'y étais. Je t'ai même des deux perdreaux. Tiens, parrain, c'est pour toi. Ah, ça, c'est gentil. Ça goûte que t'as du mérite, tu sais. Tirer des perdreaux avec ta pièce de musée, là. Le mec, c'est pas dit, tu vas le faire rougir. Ah, voilà la dame de l'égomorte. Bonjour. Le monde, il vous en reste plus? Ah, le vôtre, j'ai mis de côté. De toute façon, il n'y a que vous qui le lisez, alors. Et avec ça, gitane blanche, comme d'habitude? Oui, une cartouche. Voilà. Voilà, madame. Merci. Ça va, là-haut? Vous vous y faites, au pays? Et le pays? Il s'y fait, moi. Vous savez, on peut camper dans ce bled? Ah, je tiens un café-tabac, monsieur, par l'office de tourisme. Et il est où, l'office de tourisme? Il n'y en a pas. Ah, merci pour l'accueil. Non, de rien, c'est gratuit. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Ah, il fait pas froid chez vous, hein? Non, mais sans blaguer, vous connaissez pas un petit coin peinard où je pourrais me baquer? Ah, vous devriez aller voir du côté des gorges. Vous seriez tranquille. C'est lui qui l'a emmené dans les gorges. Mais avoue que c'est toi. Avoue, nom de Dieu. C'est toi qui l'as flingué. Puis tu lui as piqué son fric pour payer tes dettes. J'ai honte pour toi, hein. Boum. Allez, je t'en veux pas, je sais que c'est dur. Allez. C'est qui? Qui c'est? Hein? Regardez-moi! Vous la voyez, ma jolie gueule d'assassin, hein? Vous la voyez? Vous la voyez, vous? Regardez-la! Regardez-la bien, hein? Parce que vous la verrez plus longtemps. Au début, j'ai cru qu'il allait reprendre le dessus, mais je me suis trompé. Avec le temps, ça passera. Tout passe. Je crois pas. Plus le temps passe, plus il se déglingue. Il arrive pas à recoller les morceaux. Moi, j'aimerais bien vous aider, mais qu'est-ce que je peux faire? Oui, je sais, vous avez déjà beaucoup fait. Il vous aime bien, il vous écoute. Alors, essayez de lui parler, de le raisonner. Moi, j'ai peur qu'il fasse une connerie. Une connerie? Oui, c'est pour ça que je suis venu vous demander de mettre votre arsenal à l'abri. Il vient souvent ici et risque de s'en servir. Contre qui? Contre son pire ennemi, lui-même. Je m'en occupe. Je vais les gâcher. Merci, vous êtes bonne. Si seulement on pouvait retrouver l'enfant de Saligo qui lui a collé le meurtre sur le dos, ça réglerait tout. Oui, ça réglerait tout. Il faut le retrouver. Il le faut, sinon le petit est foutu. Aidez-moi. Si vous avez la moindre idée, si vous croyez savoir qui c'est, alors il faut le dire. Mais vite. 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 Thank you.
excusez-moi de vous avoir dérangé, mais vous n'avez pas de... Ah, quand je vous ai appelé, il était là. À rôder dans la cave. Tenez, regardez-moi ce chantier. Tiens, tu jettes un œil. Et il me harcèle sans arrêt, jour et nuit. Ce type est un fou furieux. Un jour, il me tuera pour de bon. Mais non, pensez-vous. Mais si, si. Il m'a déjà menacé avec un tesson de bouteille. Chef, regardez. Mais c'est à lui, ce truc. Pardon. Oh, merde. Écoute, toi, je te prendrai au sérieux le jour où tu arrêteras le véritable assassin du campeur, hein? Justement. Si on cherche le père de Noël, c'est parce qu'on a la preuve formelle que c'est lui. L'assassin? Chef! Chef, il y a un appel. Ici Moscone, à vous. Oui, chef. Mon artère est déboulon. Je crois qu'il est dans le donjon. Ne bougez pas, on arrive. Allez, vite! Vite, vite! Qu'il aurait fallu l'appeler, c'est Piccolo. Hein. Allez, viens. Allez, viens. Noël, tu es là? Tu es sauvé, petit. Sauvé. Ton semeur des chars de les gendarmes sont après lui. J'ai pas pu attendre, il fallait que je t'annonce la nouvelle. J'ai tellement eu peur pour toi. C'est fini, Vendela. Fini. C'est qui? C'est Piccolo. Ton père. Le salaud. Le portefeuille du touriste, c'est lui qui l'avait. Ils l'ont arrêté? Ouais, ça va pas tarder, ils fouillent tout le village. Dis, t'es heureux? Très. Très heureux. Qu'est-ce que tu vas faire, là? Non, je t'en supplie, Noël, range cet engin. Laisse faire la justice. Pousse-toi, parrain. Jamais. Jamais je te laisserai faire cette folie. Laisse-moi penser. Bouge pas. Reste là. Noël! Noël! Attends-moi! Attends-moi, Noël! Noël! Noël, attends-moi!
qu'est-ce que tu attends? Tire, t'as l'habitude. Tire sur ton père. Noël! Vas-y. Merde! Ne fais pas ça, petit. Pense à ta mère. Mais ta mère, une belle salope, une pute, oui, ton temps assassin. Une salope! Bâtard! Pousse-toi, Coco. Noël! Noël! Noël. Noël, écoute-moi. C'est Mosconi. Allez, rends-toi à Noël. Noël Roux n'aggrave pas ton cas. Lâchez-moi. Je veux lui parler. Mais on peut pas, Madame Roux. Il est armé. Il veut rien entendre. Moi, il m'écoutera. Mais je suis chez moi, quand même. C'était un homme merveilleux. Il était beau, tu peux pas savoir. Oh, si tu avais pu le connaître. Tu es le fils de Franz Mazel, tu entends? Tu es le fils de Franz Mazel. Oui. Oui, c'est épouvantable. C'est atroce. C'est ce qui peut arriver de pire. N'ai-je pas bien vous le dire maintenant? Je sais que vous le garderez pour vous. Pivolo, c'était pas son père au petit. Le vrai père du petit, il est mort là-bas, au bord de la route. Brûlé vif par une bande d'ivrognes qui se prenaient pour des résistants. C'est donner la réponse. Il fait pas froid dans votre bled, hein? Pardon, excusez-moi. Pardon, madame. Pardon, madame. Mais pourquoi? Le petit y était pour rien. Sa mère, si. Elle l'adorait. Je voulais la voir souffrir dans ce qu'elle a de plus cher. C'est vous? Je vous offre un petit café? Non. Mais rappelez-vous, on s'est bien croisés hier. Au Troquet, vous vous souvenez? On ne s'est pas croisés qu'hier. Je
vous connais depuis longtemps. Ah bon? C'était tout près d'ici. Vous n'êtes resté qu'une nuit. À l'époque, vous portiez un foulard à carreaux. C'est les autres qui vont forcer, je vous jure. J'ai remis le fusil là où je l'avais pris. La justice s'est chargée du reste. Et maintenant? Je ne veux pas. Je ne veux pas que Noël retourne en prison. C'est trop tard, Catherine. Il croit avoir tué l'assassin qui lui a volé 12 ans de sa vie. S'il apprend qu'il a tué un innocent, il est foutu. Vous êtes condamné à ne rien dire. Jamais. Allez, allez, allez. Plus tard, le petit comparaissait devant la cour d'assises de Nîmes. Ils l'ont condamné à une peine de principe, un an de prison exercé. Quand il est rentré à Malaveille, GMC avait quitté le village. Pour toujours. Thank you.
118.